Et hey, salutations à ta famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben, écoute, moi, ça va à merveille. Je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour parler de vos réactions, hein, de par l'ensemble de vidéos que j'ai pu réaliser, des études, de réalité en Russie, du mariage, du SEXE. Et également en Russie. Au jour d'aujourd'hui, on évite simplement hein, de citer quelques noms et tout pour ne pas voir la vidéo démonétisée. On court derrière ça, mais on court également derrière ça. Moi, personnellement, je me mets en valeur, en œuvre pour vous donner des informations qui peuvent nécessairement vous servir, bien évidemment. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi plus ou moins de messages mais fustigeants comme quoi j'encourageais certains jeunes à se marier. Waouh! Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. Family, vous qui êtes en dehors, vous qui n'êtes pas sur place, vous qui n'êtes pas sur le sol russe, vous êtes en Afrique, vous êtes partout ailleurs et vous pensez connaître, savoir, on va dire, ce qui se trame ici, là, sur le sol russe. C'est que nous avons comme réalité, c'est que nous sommes appelés à vivre tout le jour en fait. Vous ne savez absolument rien, voyez-vous, famille. Nous qui sommes ici, nous essayons un tout petit peu de vous relater, tant bien que mal, notre vécu, hein, c'est que nous vivons, c'est à quoi nous sommes butés, on va dire. Le problème qui nous font galérer, qui nous font souffrir, qui nous font penser à faire machine arrière ou aller de l'avant. Voyez-vous, je n'ai encouragé en aucun cas, soyons clairs, un étudiant de délaisser ses études pour se marier ici, là. En tout cas, non. Ce sera une déformation de mes propos. En tout cas, non. Vous savez, la majeure partie des étudiants qui viennent ici, là, sont issus de familles modestes, pour ne pas dire pauvres. La majeure partie. Je ne parle pas de ceux-là qui écopent une bourse au passage et qui viennent ici, là, avec le soutien d'un tel ou tel autre tutelle, voyez-vous, ou tutère, voyez-vous. Je parle de ceux-là dont le famille qui sont modestes et qui viennent ici là comme étant contractuels. Contractuels dans le sens où ils viennent payer de par leur poche, de par le soutien de parents bien évidemment, de l'argent pour les études, voyez-vous, et qui, arrivé à un certain moment, n'arrivent plus à voilà, poursuivre leurs études faute de moyens. Je parle de ceux-là qui se retrouvent dans des situations compliquées, qui ne savent pas à quel sens se vouer, voyez-vous? Et dans ce sens-là, je me dis, pourquoi ne pas envisager, pourquoi ne pas emprunter cette voie-là? Ce qui est un peu normal aussi, puisque c'est une voie salvatrice. Au jour d'aujourd'hui, bon nombre d'entre nous se sont retrouvés dans différents foyers et avec une certaine stabilité ou un semblant de stabilité. Voyez-vous, une petite évolution de par leur état estudiantin qu'ils avaient auparavant. Sachant également ce que l'on veut dans la vie. Voyez-vous, j'encourage le mariage rien que pour ceux-là, ou tous ceux-là qui détiennent déjà des diplômes, qui ont fini leurs études en bonne et due forme, et qui ne veulent pas y retourner en Afrique par faute de routine, on va dire, ou soit de revivre la même chose, ou soit de se lancer dans une misère noire, ou par peur simplement de ne pas y arriver de l'autre côté, et se décident de caler ici, de rester ici. En lieu et place de demeurer dans un pays sans pour autant remplir toutes les conditions et devenir sans papier, eh ben, la voie du mariage, c'est une voie assez salvatrice. Ce n'est pas une voie en tichant simplement des avantages. Il y a également des inconvénients, voyez-vous. Et les inconvénients sont assez innombrables du moment où on n'arrive pas non plus hein, à savoir ce que l'on veut dans la vie, voyez-vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent aujourd'hui dans différents foyers, comme je l'ai dit, ont bénéficié hein,
d'une résidence, de papier, de la résidence, de la nationalité, voire même, et qui sont butés à un problème. Le problème, ça se passe là, dans leur tête. Comment faire pour m'y retrouver en Europe? Comment faire pour m'y retrouver aux États-Unis? Alors qu'on t'a donné la possibilité de t'en sortir ici, là. Et tout ça, là, ça dépend d'une personne à une autre, voyez-vous? Trouver un boulot légal, trouver une activité ici, soit monter un commerce et tout pour s'en sortir, ça, là, ça dépend d'une personne à une autre. Les inconvénients sont tels que quand tu n'arrives pas à mieux voir ton avenir en quatre lettres lumineuses, eh ben, tu es dans une petite dépression parce que tu ne sais pas ce que tu fais en fait. Oui, tu es tranquille, oui, tu es assis, oui, tu es posé, oui, mais l'avenir, c'est quoi? La routine s'installe. Tu fais le même chose à répétition. Tu es censé avancer, mais tu marques le pas. Tu peux également tomber sur une famille qui t'est pourrie la vie. Tu peux également tomber sur le membre des familles qui ne te respecte pas ou une femme qui ne te respecte pas. Tu peux également retomber sans, tu peux tomber sans papier, on va dire, hein, après le mariage, un mariage réussi, tranquille, tu as du papier, mais sans pour autant être aux aguets, sans pour autant être à l'affût de n'importe quelle nouvelle pour le renouvellement, pour des démarches administratives, tu retombes sans papier ou tu perds carrément ta résidence, ça arrive. Ça arrive. Sans là le côté sombre du mariage. Pour être marié ici, là, il faut être mature aussi. Parce que les réalités sont tout autres que celles qu'on a vécues en Afrique, que celles vives, on va dire, hein, nos frères africains ou qui sont disséminés à travers n'importe quel pays, voyez-vous. Les réalités sont différentes. Quelque part, tu peux te dire non, 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 en tout cas, j'abandonne, en tout cas, je n'aurais pas dû et tout. Mais ça, là, ça vient après. Il faudra en amont penser à ça pour qu'en aval, ne pas regretter, tout simplement. Mais je reviens sur vos réactions. Je n'ai pas incité des personnes à se marier. C'est l'une, on va dire, de possibilités. Mais tous ceux-là qui viennent ici là pour les études, focalisez-vous sur les études, puisque c'est important. Avoir un papier, avoir un diplôme, cela vous garantit, on va dire, de moi à vous, hein, à 70% votre avenir assez stable. Vous voyez un tout petit peu le bout du tunnel, mais n'avoir aucun papier, cela ne veut pas dire également qu'on a loupé sa vie. Parce qu'il y en a plein de businessmen qui, au jour d'aujourd'hui, sont assis financièrement, matériellement, et ben, sur tout le point, on va dire, de la vie, hein, qui n'ont pas fait de longues études. Et ben, tout ça, là, également, dépend d'une personne à une autre. Je pense que vos réactions seront le bienvenu en commentaire. Moi, c'est Vimao, et portez-vous bien. Ciao, soyez sages. Pas de chance. Et puis on se la souvient, vous allez bien encore, vous allez voir. Yeah, 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 yeah.